Bonjour à vous. Je suis archi méga contente de ouf de vous retrouver dans cette vidéo qui est, vous l'avez vu, un haul Chine, mais pas n'importe quel haul Chine. Pas les mots. On commence cette vidéo tout de suite. Alors pour information, sachez qu'en ce moment il y a plein de promotions sur Chine, les Black Friday, les Cyber Monday, les big sold Chine, vous aurez tout ça en barre d'infos et vous aurez un code promo en barre de description, ok? Vous aurez également tous les liens des produits que je vais vous présenter. Foncez s'il y a des choses qui vous intéressent, parce que moi je sais que la sélection que j'ai faite, il y a des produits qui ne sont plus disponibles. Souvent il y a du réassort sur Chine, ok? Donc n'hésitez pas à checker la barre de description. Je vous le dis tout de suite également, toute cette vidéo est en collaboration avec Chine. Je ne suis pas rémunérée pour vous parler des produits, mais j'ai tout reçu gratuitement. Et ça, merci énormément à Chine et surtout merci énormément à vous, parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'avoir des si beaux partenariats. Voilà, je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important pour moi parce que vous me regardez, j'ai de la visibilité, les marques me font confiance et j'ai voilà, des excellents partenariats, donc merci du fond du cœur. Je voulais vous dire aussi, désolée, je suis bavarde, mais toujours au début de vidéo, si vous utilisez Shein ou d'autres applications, si vous faites des achats sur internet, n'hésitez pas à utiliser Poulpeo. Poulpeo est une petite application qui vous permet, en passant par vous, Poulpeo, de dépenser de l'argent, des choses que vous avez envie, hein, sur des sites du style Chine, des sites qui sont affiliés style Chine, AliExpress, Darty, Maison du Monde, La Fnac, Boulanger, bref, tout ce que vous voulez. Et ensuite, ça va vous donner un petit cashback, c'est-à-dire un petit pourcentage de vos achats que vous avez dépensés sur le site. Si vous passez via Poulpeo, vous téléchargez l'application, vous allez sur vous. Vous ouvrez l'application, vous marquez Chine et ensuite vous êtes rapatrié vers le site Chine. Tu vois, ça, t'as compris un petit peu l'idée. Je vous remercie d'utiliser mon code promo, enfin mon code d'affiliation Poulpeo qui est en barre de description. Ça vous donne 5 euros directement sur votre cagnotte et moi ça me fait des petits sous à chaque fois que vous dépensez si vous avez été affilié à moi. Je me suis déjà fait 2 virements de 350 euros au tout et franchement je kiffe de ouf. Poulpeo, voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite cette vidéo. Après 4 minutes, j'ai envie de te dire, je les ai contactés pour leur dire, mais c'est comment la Chine? Vous avez fait une collaboration avec Friends. Je kiffe de ouf Friends. C'est mon enfance, j'adore. Quand j'étais petite, pour la petite histoire, je m'amusais à retranscrire les scénarios mot pour mot sur la machine à écrire de mon grand-père. J'aime trop, celui qui avait un coq, j'aime trop. Donc ils ont fait une collaboration avec Friends, et tellement, mais les gars, s'ils font une palette de maquillage, un coffret de maquillage Friends, mais je le veux directement. Donc je leur ai dit, est-ce que ça vous dit qu'on fasse une collaboration sur les thèmes Friends? Ils m'ont dit oui, et donc tout ça, ça va être que des choses Friends. De toute façon, vous l'avez vu, c'est marqué comme le porc salut. Ok, franchement, ils ont assuré de ouf. Alors, en premier, je suis habillée, vous l'avez vu. on fait pas les choses à moitié. Pyjama Friends, on va se mettre là. Pyjama Friends, franchement, ils ont assuré de ouf. Alors, à la base, c'est Shein X Friends. D'accord? Il est comme ceci, mon petit pyjama des familles. Pour information, je fais 1m60 sur 70 kg. Il est comme ça. Il est très élastique, comme ceci. Au niveau des pieds, franchement, ça passe crème, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de poche. Non, il n'y a pas de poche. Et vous avez, de toute façon, dans cette pardon, mais dans cette collaboration, ils ont mis un petit peu tous les petits logos dignes de Friends. Donc vous avez bien sûr le taxi de Phoebe, la petite tasse du c'est marqué là, Central Perk. Et vous avez le cadre emblématique de la maison, de l'appartement de Rachel et de Monica. Donc voilà, le petit pyjama des familles, j'ai envie de te dire, avec un petit col comme ceci. Et ici, vous avez des petits boutons. Et comme je vous l'ai dit, il est très, très, très élastique et très agréable à porter. Par contre, si vous transpirez beaucoup pendant la nuit, il peut vous faire transpirer encore plus. Tu vois un petit peu l'idée. Mais j'aime bien le petit pyjama que tu peux éventuellement blouser comme ceci. Tu vois, voilà, si t'es à fond dans Friends, sache que sur Shein, tu vas trouver tout ce que tu peux. Je ne sais pas s'ils ont fait cette collaboration avant, je pense qu'ils l'avaient fait avant la mort de Chandler, de Matthew Perry, mais je ne sais pas. Je sais pas si ça tombe au même moment, si, je ne pense pas qu'ils ont surfé sur la vague, parce que faut le temps de faire toutes ces créations et tout. Donc voilà, c'est un bel hommage, je trouve, même s'ils ne l'ont pas fait pour ça. Désolée,
rebiche un peu mes cheveux, un peu compliqué les chansons. Alors du coup c'est parti. Alors, de mon côté, moi je m'étais acheté cette petite trousse-là que je trouve mais tellement mignonne. Je vous l'ai montré dans un de mes vlogs. D'ailleurs, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mais regardez-moi cette petite trousse. Alors, elle est dure, pas facile de voir les motifs parce qu'elle est transparente, n'est-ce pas? Mais je la trouve trop belle, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup le logo là qui me rappelle mon logo à moi de ma chaîne. Et franchement, voilà, je la trouve très 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 jolie cette petite trousse. Et vous voyez, chaque chose est estampillée Friends et Shein. Et franchement, c'est trop bien ce qu'ils ont fait. J'ai tellement envie qu'ils fassent un coffret de maquillage, ça va être de la folie. Franchement, ça va être de la folie parce qu'à chaque fois que je vous parle des coffrets de maquillage qu'ils ont fait en collaboration avec... franchement, mais Shein, c'est ma vie maintenant. Qu'ils ont fait avec Harry Potter, qu'ils ont fait avec les noces funèbres, les bisounours. Enfin, s'ils font une collaboration avec ces couleurs-là, un truc de maquillage, mais... Ensuite, ils ont fait cette petite coque de téléphone. Je la trouve super jolie. Et vous voyez qu'elle a un petit côté miroir. Donc je trouve ça assez cool. Ça reprend exactement les mêmes couleurs que la petite pochette que je vous ai présentée. Pourquoi je fais ça? On va se rapprocher. Donc ça reprend exactement la même couleur et la même typologie. Je la trouve très très belle. Alors moi, bien sûr, j'ai pris pour mon iPhone. Je l'ai pris pour moi. Hop, l'iPhone est très bien présent. Protégé parce que ici tu vois il y a certaines coques où ici c'est creux, mais là du coup ça prend aussi en compte tes petites optiques de téléphone. Et voilà, ça donne, bon là je la mets pas, mais tu vois ça donne ceci une fois que tu la mets dans le téléphone. Oui, on voit mon chouki était très très jeune à l'époque, mais voilà, du coup ce que ça donne, je la trouve très 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 très, très jolie. C'est pas une coque, c'est une coque rigide. Tu peux le constater, mais je la trouve trop belle, je la trouve trop trop belle, donc ce sera ma coque de... ma prochaine coque. Hop, on se recule un petit peu quand même, on n'est pas aussi intime. Ensuite, je leur ai pris une serviette, elle est comme ceci. Alors moi, il faut savoir que je suis pas fan du parme, je déteste à la base cette couleur, je l'aime pas, je l'aime pas. Donc j'ai pris une petite serviette, on va dire, mais je vais tellement la garder. Elle est comme ceci, tout simple, en espèce de... Je sais pas comment s'appelle la matière, mais par contre, si toutes les serviettes... Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez déjà testé les serviettes de chez Shein. Mais si toutes les serviettes sont aussi douces que ça, franchement, ça vaut le coup. Donc, elle est toute simple, comme ceci, avec un petit bord comme ça. Et ce qui est cool, en fait, c'est qu'il y a ça sur le côté. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop chou. Non, mais c'est trop... C'est trop mignon. C'est trop mimes. C'est trop mimes de ouf. C'est trop trop mimes de ouf. J'adore. On en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle? Allez, je vous dis, ils sont allés super super loin. C'est des malades. Ils ont fait du coup le coussin. Tu sais, quand c'est à la fin de l'année, à un moment donné, ils sont comme ça avec une dinde et il y a Monica qui se la fout sur la tête. Non, c'est pas Monica. Si. Non, c'est pas Monica, c'est Joey qui se la fout sur la tête, il est comme ça, et après ils se disputent et tout, et à la fin, il y a Monica qui se la fout sur la tête, et c'est pour se faire pardonner de Chandler, je crois, et elle fout ses lunettes et elle danse, enfin voilà, ils ont fait la dinde de Noël, avec un petit chapeau comme ceci, franchement, voilà, c'est, ils sont trop forts, elle est toute douce pour information, mais voilà, ça fait un truc super sympa, un petit cadeau de Noël très très sympa pour les fans de Friends. Ils ont fait tellement de choses, vous n'êtes pas prêts. Ils ont fait une petite boîte à mouchoirs comme ceci. Elle a été reçue, pas compressée, donc ça c'est cool. D'ailleurs, ils avaient mis une espèce de papier bulle comme ceci, tu sais, rempli d'air. Et voilà, une petite boîte à mouchoirs. Donc moi, j'ai ce genre de choses dans la chambre de la chouquette, dans la chambre de mon chouki. Il faut que je m'en rachète une pour mettre dans ma chambre à moi. Oh, je vais prendre celle-là pour mettre dans ma chambre à moi. Je voulais la mettre dans la cuisine. Et voilà, toujours avec les petits logos super sympas de Friends. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu achètes des mouchoirs classiques, basiques, et tu les mets, t'enlèves le pochet, bien sûr, et tu les mets à l'intérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Je trouve ça très, 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 très sympa. Et je peux vous dire que la qualité est grave présente. Donc voilà, c'est juste trop beau. J'aime beaucoup trop. Ils ont fait une autre petite pochette comme ceci. Alors celle-là, elle a été reçue un petit peu compressée, mais j'ai mis à l'intérieur les petits sachets de chez Shein. Alors celle-là, on part un peu sur un autre... Un petit peu un autre...
style, tu vois ce que je veux dire. Elle est plus dans les violets et dans les roses. Elle est toute brillante ici. Donc ça, ceci pour la tenir. Donc ça, il y a ces logos-là sur tous les accessoires. Et voilà, elle se présente comme ceci. Elle est super mignonne également. Et franchement, j'aime trop les couleurs. Elle s'ouvre comme ça, voilà, tout simplement. Là, j'ai mis tous les sachets de chez Shein, tout simplement pour qu'elle retrouve sa taille de base. Franchement, c'est trop choupi pour faire des petits cadeaux et tout pour quelqu'un qui kifferait, mais j'adore de ouf. J'ai pris ensuite, alors, je crois que c'est ça. Je vais pas vous l'ouvrir. Je vais vous mettre une photo juste là. Mais ils ont fait... Je pense que... Ah non ! Autant pour moi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est un plaid. Bon, je vais... Est-ce que je l'ouvre ou pas ? Parce que, non, j'en ai un plus petit à vous montrer. Attendez, voilà. Ils ont fait des plaids. Il y a différentes tailles de plaids. Et j'ai pris la taille la plus grande et j'ai pris la taille la plus petite. Vous aurez tout ça en barre de description. Le plus petit, il est comme ceci. Tu vois ? Comme ça, avec une petite bordure, comme ça. Derrière, il est tout pilou, 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 pilou. Il est super agréable. Donc ça, c'est la taille la plus petite. De toute façon, t'as toutes les tailles sur le site. Hein. Olé ! Ça, c'est la taille la plus petite que j'ai pris pour vous. Je me suis dit que ce serait mieux, plus facile de vous montrer en vidéo la taille la plus petite. Et du coup, exactement pareil, ils ont fait une taille beaucoup 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 plus grande, mais je pense que étant donné que c'est pour un cadeau, je vais le laisser dans son petit sac. C'est un cadeau, non, je dirais pas pour qui. Ils ont fait également, mais je trouve ça mais tellement bien qu'ils aient fait ça, parure de lit. Ok, donc attention, il y a la parure de lit qui comprend la housse de couette et les coussins. Mais ils ont aussi fait une alaise. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Une alaise. Je l'ai pris pour ma fille. Je me suis dit, non, attends, pute, t'as 38 ans. Faut arrêter tes conneries. Tu vas pas avoir une période de Lee Friends. Mais en fait, j'aurais dû. J'aurais dû la prendre pour moi. Mais j'ai pris toute la gamme. J'ai pris tout le set complet. Donc, ils ont fait, du coup, le protège-matelas qui est comme ceci. Tu as un peu l'idée. Plus sur le, ouais, plus sur le central. Pierc. Hop. Donc ça, trop stylé, tu vois. Hop, je l'ai mis en boule. Je la trouve trop belle. Et ils ont fait, bien sûr, du coup... Non, pourquoi tu te tombes ? Hop. Et ils ont fait ensuite le... Attendez, je vous recule. La housse de couette qui est fournie avec deux coussins. Et la housse de couette. Je kiffe de ouf les parures de lit chez Shein. Je les trouve très, 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 très bien. Donc, d'un côté, parme, comme ceci. Et l'autre côté est comme ça. Donc, je trouve ça très, très, très sympa pour une chambre d'ado. Très sympa. Après, voilà, si tu as 38 ans et que tu assumes, bon, c'est même pas une question d'assumer, tu peux assumer. Mais je me suis dit que voilà, pour moi... En fait, là... J'ai fait les choses par procuration, hein. Je vous avouerai que j'ai fait les choses par procuration. Je me suis dit, ça pourrait être sympa, parce que ma petite, elle ne connaît pas Friends, elle s'en fout de Friends, elle ne connaît pas. Mais ce petit canard là, et cette petite oie, toi-même tu sais, franchement, j'adore. Et avec, du coup, il y a, hop, les petites housses de couette, les housses de coussin. Les housses de coussin sur Shein, elles sont toujours rectangulaires, qui sont comme ça. Elles sont trop belles. Donc, t'as le côté parme et t'as ce côté-là. Franchement, trop joli. Je pense que je vais lui piquer une petite housse parce qu'elle est trop jolie. Elle est trop belle. Trop, trop, trop jolie. J'aime trop. J'aime trop. C'est tellement d'actualité en plus. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je vais me changer parce que je vais vous montrer des vêtements. Ouais, je vais vous montrer des vêtements. Donc, du coup, je vais me changer. J'arrive. Ok, bon, on est d'accord, ça ne fait pas du tout avec le t-shirt que j'ai mis. Mais ils ont fait ceci. Alors, ce n'est clairement pas ma taille. C'est un pull pour les mecs, ok. Voilà, on a compris, c'est clairement pas ma taille. Voilà. Mais je voulais le prendre quand même pour vous le montrer. Donc, dessus, franchement, c'est un pull de Noël de Friends. On est à l'eau. Vous avez le Center Park qui est juste là. Central Park, c'est pas trop ça. Par contre, ouais, au niveau de la qualité, là, c'est pas cool.
quelque chose qui n'a pas été fini de coller. Et vous avez, si je dis pas de bêtises, marqué Friends derrière. Je le trouve super sympa et franchement très très qualitatif. Et celui-là, comparé au pull, à chaque fois que je vous parle des pulls de chez Shein, il n'a pas l'air de boulocher facilement. Donc super joli, mais c'est juste dommage voilà, qu'ils ne l'ont pas fait en taille femme. Il y a beaucoup de tailles XXL pour tout ce que je vais vous montrer, mais il y a beaucoup de choses pour les garçons, mais taille classique on va dire, et bah il n'y a pas trop, je trouve super joli. Par contre la qualité elle est plutôt pas mal, je vais regarder si je trouve, voilà, il me dit pas qu'ils vont balancer une sans bon polyester hein, parce que ça pas du sang, ah non, viscose, voilà c'est pour ça, et 49% viscose et le reste ça reste du polyester. Il est super beau, il a l'air super chaud, franchement je kiffe, faut que je me trouve un mec pour lui mettre ça. Hop, franchement j'aime bien. J'ai pris ensuite ce t-shirt là, qui n'est pas estampillé Friends, Shein X Friends, il est estampillé comme ceci, mais la typologie fait tellement penser à Friends, donc du coup je l'ai pris et je voulais l'incorporer dans cette vidéo, je trouve. Très très sympa ce petit haut. Ensuite j'ai pris autre chose. Là on va voir si ça va m'aller parce que c'était pas ma taille de base. Je trouvais ça rigolo et franchement je trouvais ça ouf ce qu'ils avaient fait. C'est j'ai pris la plus petite taille, j'ai pris la taille S. Ça fait tellement penser à une veste de bowling. Franchement. Après, faut l'assumer. Ça, par contre, Regina Phalange, je me souviens plus ce que c'est. Mon nom est Regina Phalange. Je crois que c'est Phoebe quand elle parle de... Je m'appelle Regina Phalange. Je me souviens plus trop c'est quoi l'histoire. Donc, elle est doublée ici à l'intérieur. Je vais mater dans la glace et je reviens. Franchement, c'est kiffant. Ça donne ceci. Alors, elle est super... Elle est super ample. Franchement, c'est sympa. Hein. Très, très, très rétro. J'aime bien. Par contre, je trouve que ça fait un peu trop... Ça aurait été bien qu'ils mettent juste ça, en fait. Ça aurait été nickel chrome qu'ils mettent juste ce truc-là. Plutôt que ça aussi. Ou alors ça, le mettre autre part. Mais tu sais, ça fait un peu trop... Un peu dommage. Ça aurait été juste parfait, nickel chrome. En mode, c'est le truc... Ah, j'aime bien. Ça me va bien, hein. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'ai pris également un autre t-shirt et après il n'y a plus de vêtements et du coup je vous montre les autres petits goodies. Ouais c'est ça, c'est vraiment des goodies. Hein. C'est vraiment des goodies de ouf. J'ai pris un autre t-shirt. Regardez-moi. Il est comme ça devant. Et derrière il est comme ça. C'est pas trop stylé. C'est pas trop stylé ce qu'ils ont fait Shein. J'adore. Tu sais, c'est Joey quand il essaye tous les vêtements là. Je sais plus pourquoi. Faut que je me les retape. J'ai pris en taille S. Alors à la base aussi, c'était un t-shirt pour les garçons. J'essaie. Je kiffe de ouf. Franchement, je kiffe de ouf. Ça donne ceci. J'aime trop. Tu sais, il est un peu loose et tout. C'est nickel. Je prends en taille S. Je sais, je vous l'ai déjà dit. Et du coup, derrière, ça donne ça. Et franchement, j'adore. Après, à voir ce que ça va donner au niveau du flocage. Je crois qu'il faut le laver à l'envers, si je dis pas de bêtises. Mais franchement, j'aime trop. Ah, je suis fan. Maintenant, on passe aux goodies. Je crois qu'il y a... Non, il n'y a plus de vêtements. On passe aux goodies. Alors, les goodies, c'est parti. Ils ont fait des espèces de petites pochettes comme ceci. La dernière fois, en plus, j'en cherchais pour mes enfants, pour leur sac de goûter. J'ai pris deux tailles. J'ai pris deux tailles différentes. J'ai pris la plus petite taille. Elle est comme ceci. Hop. Voilà. Au niveau de la taille, tu vois un petit peu ce que ça donne. Et du coup, ça, c'est la plus grande taille. Hop. Donc, c'est un petit sac. Comme ça. Ça me fait tellement penser au sac Nike qu'on avait. C'est de la même génération que moi. Tu sais, le sac Nike noir. Le noir, c'était la base. Hop. Tu faisais ça comme ça. Tu avais un cordelette là, une cordelette là. Tu faisais ça et après, tu faisais ça. Comme ça, et tu le mettais dans le dos. Oh, est-ce que tu te souviens de ces Saïk Nak avec cette matière-là? Ça date tellement. Oh, laisse-moi un commentaire si t'as connu ces Saïk-là. Et franchement, ça c'est nickel chrome pour aller à la piscine par exemple. C'est pas mal du tout. Je dis ça, hier j'étais à la piscine, mon sac il a fini par être mouillé. Un petit peu compliqué. Autre petit goodies, j'ai trouvé ça tellement.
Une sortie de bain. Franchement, les sorties de bain comme ça, c'est pas mal. Parce que tu peux. Je sais pas si tu fais des soins ou ce genre de choses. En attendant de mettre la crème hydratante et tout. Ça peut être pas mal. Le principe, du coup, est que tu as une petite bande velcro. Tu la prends comme ceci. Tchouk, 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 tchouk. Et tu te la mets comme ça. Voilà. Puis ensuite, t'es bon pour te faire tes petits soins. Oh, ils ont pas fait de bandeau pour les cheveux. T'as des gros dos comme ça. Donc voilà, tu vois un petit peu l'idée. Ah bonsoir. Tu vois un petit peu l'idée de la sortie de bain. Et toujours pareil avec le petit lot, la petite typologie, la petite police qui représente un petit peu la même chose que la trousse principale que je vous ai montrée en tout début de vidéo. Non, c'est super super sympa, j'adore. Et elle est toute douce. Les autres petits goodies que j'ai à vous montrer. J'ai pris ça pour un membre de ma famille. Je pense qu'il va kiffer. Hop, les chaussettes. Ils ont fait des chaussettes. Non mais, t'es pas prêt quoi. T'es pas prêt du tout. Elles sont magnifiques les chaussettes. Je les trouve trop belles. Alors par contre, je crois qu'il n'y a qu'une seule taille. Mais bon, les chaussettes, hein, c'est toujours extensible. Ils ont fait celle-ci. Classique, basique, avec le cadre de Friends. Ils ont fait celle-ci, avec les petits coin-coin. Sont pas trop belles, franchement, elles sont parfaites. Et tu as les petites pizzas, les couleurs sont parfaites. Ça, je sais très très bien à qui je vais les offrir et ça va être excellent. Ça va lui faire plaisir de ouf. Et je les trouve trop belles, franchement, je les trouve trop 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 belles. Voilà, t'as compris? T'as compris que je les avais kiffées, les chaussettes? Elles sont parfaites, tellement de violet, tellement de violet dans cette chambre. Moi qui déteste ça, truc de ouf. Hop. Ils ont fait les petits porte-clés. Petits porte-clés. Ah non, c'est pas... il est là-dedans. Hop. Petit... Oh, mais j'ai un autre sac. Attendez, je vous montre après. Ils ont fait des petits porte-clés. Et je crois que ceux-là, malheureusement, ils sont out of stock. Ils sont plus dispo. Mais un petit set de plusieurs porte-clés. Pour toute la famille, c'est cool. Donc, il y en a avec le Central Park. Comme ça, tu vois, c'est un petit peu de la résine. Hop. Donc à chaque fois, tu as le porte-clé et puis tu as un petit crochet comme ça. Ça, c'est sympa. Ils en ont fait un avec, c'est trop bien, ils en ont fait un avec le cadre et ils ont marqué Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey et Ross. Ils n'avaient pas assez de place pour mettre Joey et Ross pas à côté. Ils auraient dû mettre Rachel et Ross ensemble. Bah, après, tu me diras, il y a Monica et Chandler aussi. Et ils ont fait celui-là avec... Hop, le petit canard et les petits coins à coin. Et celui-là, je sais à qui je vais l'offrir aussi. Hop, c'est trop chou. C'est trop joli. Faut que j'arrête de dire c'est trop joli, c'est trop chou, j'aime trop, hein, parce que... Hop, et du coup, j'ai pris aussi un autre petit sac. Ou alors, est-ce que j'avais pris deux fois? Ah non, autant pour moi. Du coup, c'est cool, je peux tous vous les montrer. Autant pour moi. Je vous ai dit que celui-là, c'était le plus petit format. Non, c'est celui-là, le plus petit format. Donc ça, c'est nickel pour le goûter des enfants, par exemple. Donc vous avez cette taille-là. Hop, et le gros papa, là. Hop, trois tailles différentes. Je pense que vous voyez clairement les choses. Donc voilà, trois tailles différentes en tout pour ces petites pochettes. Ils ont fait une gourde. Et quand je vous dis qu'en fait, je pense qu'ils n'ont pas fait ça après la mort de l'acteur. Donc, ils ont fait une gourde. Vous savez que j'adore les gourdes comme ceci, là. Tu appuies sur le bouton et bam, c'est parti. Tu as une petite anse. Tout était déjà installé comparé aux autres gourdes. Alors, c'est pas une gourde avec une paille, tu vois. C'est pas... Ça sent bon. C'est pas la gourde avec la paille. T'as le petit système ici, la petite sécurité. Hop, quand tu la mets, tu peux appuyer, ça va pas sortir. Vous avez 900 ml à l'intérieur, presque un litre. Franchement, le format est très sympathique. Et donc, du coup, ils ont mis les mêmes couleurs que la trousse que je vous ai montrée tout à l'heure. Et tout à l'heure, je regardais, je disais, mais il n'y a pas Chandler, tu vois. C'est quoi l'idée? Mais en fait, si, Chandler, il est là, mais c'est trop chelou, tu vois, parce qu'il est là dans son bain. Tous les autres, ils sont là, ça fait un peu penser, genre, elle est... dans son cercueil, tu vois, c'est très bizarre. Donc c'est pour ça que je dis que je ne pense pas qu'ils ont fait les choix après que l'acteur soit mort, sinon je pense qu'ils n'auraient pas choisi cette photo. Celle-là, je la kiffe,
je la kiffe comme photo. Non, c'est très 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 sympa. Après voilà, c'est pas, elle est très sympa la gourde, la gourde. J'aurais aimé en fait qu'ils mettent juste cette photo là par exemple, tu vois, qui est pas mal du tout. Et tu vois celle-là, je sais pas, c'est un peu, on dirait un peu les photos de Hockey Podium à l'ancienne, tu vois, il est avec toi à l'arrache. Celle-là, elle est pas ouf non plus, tu vois, il y avait des photos un peu plus percutantes que ce genre de photos, je trouve personnellement. Mais voilà, peut-être juste mettre une photo. Ah, il y a celle-là aussi, mais voilà, tu vois, c'est pas des photos de ouf, je trouve. Et je pense en fait ouais qu'ils auraient juste mettre une image comme ça, puis le reste mettre des petits cadres, des petits trucs, tu vois. C'est un peu dommage, mais la trousse en elle-même, elle est belle, et puis vu qu'elle est assez fine, bah elle peut rentrer. Elle peut pas rentrer partout, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. J'ai pris deux autres coques de téléphone. Je crois que j'ai pris toutes les coques qui étaient possibles de prendre pour tout simplement vous les montrer. Alors il y en a eu une toute simple qui est comme ceci. Hop, Parm. Par contre, j'aime bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, j'aime bien les petites images qu'ils ont prises, je la trouve assez cool. Donc vous avez une petite protection avec, mais voilà, je la trouve top aussi. Si le focus, voilà, merci bébé, si le focus veut bien se faire, j'allais dire, mais je la trouve plutôt sympa. Petite coque classique, mais originale quand même. Et j'en ai pris une autre qui est beaucoup plus originale que celle que je viens de vous montrer. C'est une coque avec un bumper. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est un bumper. En gros, la coque, elle est comme ça. Juste, mais attends, vous savez chier dans la colle? Je me dis, mais elle est à l'envers, vous savez chier dans la colle? Ça, c'est à l'envers, les gars! Vous avez déconné? Vous avez mis les graphistes, ils sont où, là? Vous avez osé mettre une photo à l'envers. Ah, c'est la seule. Ah, vous avez déconné, les gars. Vous avez déconné de ouf. Et donc, du coup, t'as ceci, hop, que tu vas coller ici. Là, tu vois, c'est du truc adhésif. Hop, tu la mets là, si tu veux ou pas. Et ensuite, tu colles le central perc ici, et du coup tu peux tenir ton téléphone comme ça, tu vois un petit peu l'idée. Donc après, à toi de voir si tu mets ça ou pas. Donc ça, je trouve ça plutôt cool pour les gens qui aiment ce genre de je sais pas si c'est un bumper, parce qu'un bumper c'était le truc qui fait le tour de ton téléphone. Ah, je me souviens plus, mais bon, c'est pas grave. J'ai pris ensuite les chouchous. Ils ont fait des chouchous, ils ont osé faire des chouchous. Friends, gardez-moi ça. T'as celui-là, le premier, qui est comme ça. Petit canard, toujours la même chose. Petit élastique. Vous avez celui-là. Hop, good vibe et tout, et tout, et tout. Friend, tout ça. Très sympa. Et t'as celui-là, plus pareil, pour le central perk. Hop, petits élastiques pour les cheveux. C'est pas trop canon? Franchement, je trouve ça. Canon de ouf, personnellement. Il y a quelque chose que j'ai... Ah ! Ils ont fait la Maryse, ils ont fait une Maryse. Elle existe aussi en violette. Moi, j'ai préféré prendre la blanche. Les mêmes couleurs que la trousse. Ma trousse chouchou, donc voilà, une petite Maryse, comme ceci. Les Maryse, en fait. Il y en a qui ne connaissent pas. C'est qui Maryse ? Quand tu fais du gâteau, ce genre de choses dans un plat, tu prends une Maryse pour bien racler les bords. Et cet outil, c'est mon outil préféré dans la cuisine. Donc voilà, du coup, je vais avoir une petite Maryse Friends. Elle n'est pas très grande, tu vois, elle n'est pas très 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 grande. Donc après, à toi de voir. T'as les infos en barre de description au niveau des dimensions, mais voilà, moi je sais que je la pose dans un pot, je sais pas si elle va pas être en mode toute petite, mais je la trouvais stylée de ouf. La qualité, hop, est plutôt bonne, mais voilà, faut savoir que ça se détache. Alors je te conseille pas de mettre, donc ça peut être bien pour nettoyer, je te conseille pas de mettre de la colle forte non plus pour le faire tenir, mais voilà, après c'est pas... Non, il n'y a pas de point de colle, c'est pas collé, c'est comme ça. Mais la qualité, en tout cas, a l'air plutôt bonne. Donc ça c'est assez cool. Assez cool, la petite Maryse Friends. Il y avait une tasse, je pensais l'avoir commandée, la tasse, mais en fait, peut-être que je ne l'ai pas commandée. Donc, je vais la commander moi, personnellement, parce qu'il est hors de question que je n'ai pas la tasse Friends. Ça fera ma troisième. Donc j'avais une tasse, et ça c'est tout simplement quelque chose pour mettre par-dessus la tasse pour garder ton thé, ton chocolat, ton café, tout ce que tu veux, chaude, tu vois un peu l'idée. Là, t'as, j'ai pas de tasse. Bah non, qui aurait une tasse, t'as ta tasse comme ça. Bonjour. Tu
petit mets ça par-dessus, et voilà, avec ce petit système, avec le chaud et tout, hop, tu mets ça par-dessus, et ça va tout simplement garder ta poisson au chaud. C'est un silicone, en silicone, et je trouvais ça trop chou, le petit cadre de Friends. Sachez aussi qu'il y avait le cadre de Friends pour mettre une photo, mais je l'ai pas vu. Mais ouais, je trouve ça assez stylé, et puis du coup, les petits dessins. Si ça, je trouve ça trop mignon. Trop mignon. Mais c'est pas fini. J'ai pris un sac. Hop. Un sac style cabas, tu vois. Hop, ouais, un petit sac cabas. Donc du coup, ça c'est tellement le sac que tu vas mettre dans ton petit sac à main et tout. Trop mignon. Il est comme ceci. Hop. Trop mignon aussi, trop mignon, le petit sac, voilà, le petit sac pour faire tes petites courses. Et ce qui est cool, c'est que les anses sont bien larges, donc ça te permet de pas te faire mal aux mains, tu sais, quand c'est trop lourd et tout. Moi, j'y trouve très sympa ce petit sac, très cool, très sympathique comme tout. Et puis c'est bien, t'as la petite pochette, voilà. Ça c'est le genre de sac que t'oublies tout le temps quand tu vas chez Action, et du coup tu te mets à acheter le sac, voilà, de chez Action, parce qu'il est trop mignon. Hop là, il n'y a plus rien là-dedans. Ils ont également fait des dessous de verre que je trouve excellents. Ils ont fait deux sortes de dessous de verre. Ils en ont fait des un peu plus élastiqués comme ça, avec là. Par contre, j'ai pas la rêve de la pizza, j'ai pas la rêve. C'est quoi l'idée? Chandler et Joey mangeaient toujours des pizzas devant la télé en disant « Oh, le canapé !» Bon, ils ont mis une pizza. Derrière, c'est comme ça. Ils ont mis... Franchement, il n'est pas trop beau. J'aime trop. C'est un truc de... Mais franchement, tu montres ça à des gens. Ils comprennent direct. C'est trop joli. Ils ont fait ceci. Et ils ont fait... La petite tasse. C'est très sympa. Et ils en ont fait, hop, trois autres. Un petit set avec trois autres. Ceux-là, ils sont un petit peu plus sobres. Le Central Perk. Celui-là, je trouve trop beau. Trop. Hop. Classique, basique. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Trop joli. J'adore. C'est trop beau. Franchement, je le kiffe. Je kiffe de foutre pour un cadeau et tout. Quelqu'un, enfin, je te l'ai déjà dit, mais pour quelqu'un qui adore Friends, tu prends ça, une petite pochette, la petite pochette, tu lui mets dedans les petits goodies et tout. Je trouve ça juste parfait. Franchement, Shein, mes partenaires, si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, sachez que vous avez déchiré de ouf à faire... Ah, attendez, j'ai pas fini. À faire cette collaboration Friends. J'ai pas fini. Attendez, je vous emmène avec moi. Il y a également des tapis. Comment l'oublier? Il y a des tapis Friends, il y a plusieurs tailles. Moi, j'ai pris le plus gros. C'est une des premières fois, je crois, que je prends un tapis Friends. Par contre, pas sûr de les laisser, parce que tu vois, ça fait des traces au niveau de mon pied d'appareil photo. Je sais pas où je vais le mettre. Franchement, je me suis laissée embarquer là-dedans. C'était pas de ma faute. Mais je le trouve archi stylé. Après, tu me diras carrément. Tu me diras, il a carrément sa place ici avec tout ça qui est très acidulé et tout. Ça le fait carrément. Bing, le tapis Friends, tu vois. À voir. Je sais pas. Mais j'étais obligée de prendre le tapis. Peut-être le commander en plus petit. Mais ouais, tu vois, il est grand, hein, il fait carrément ma taille, en fait. J'ai envie de dire. De toute façon, vous aurez tous les liens en barre de description, mais je le trouve archi stylé. Je trouve archi stylé. De ouf, ce tapis, non, franchement. Je le redis, mes chines, vous avez assuré de ouf. Et si l'une d'entre vous voit qu'il y a une palette, un coffret de maquillage, n'importe quoi, maquillage estampillé Friends, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à m'envoyer un message, un mail, un fax, un message sur mon tatou, faites ce que vous voulez. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Si ça vous dit, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Et si vous avez encore un petit peu de temps à regarder cette vidéo qui est juste là, faites attention à vous, faites attention à vos proches, faites attention à vos amis. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.